C'est vrai que l'équipe nationale d'Algérie, pour moi, ça représente un peu tout ça. Le pays représente un peu tout ça. C'est ce qui nous différencie du travail de club, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour l'entraîneur. On est au service d'une nation, on représente une nation avec une histoire forte. On a un passé, je vais dire glorieux, qui est pris même chez certains pays comme exemple, avec notre révolution et notre voilà. جزاء يا سيدي الحكم فعلا في اول لعبه وفي اول هربه في اول دخله وفي اول محاوله هجوميه يوسف عمار طبعا ليس هناك يستعد بغداد با 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 جول بالبراعه وبالروعه وبالامل خطيره اسماعيل بن ناصر جول وجول وجول يا رياض جول J'espère avoir un spectacle à la hauteur des attentes et on sait qu'elles sont grandes. Ce sont les Sénégalais qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. C'est un raté, mais c'est bien capté. C'est allé très vite. Et on est déjà deux points à récupérer. Avec le ballon, on est déjà à nouveau. Il y a des solutions. Et finalement. Avec le centre en retrait, le contrôle et la frappe ensuite. Youssef Belaïli. C'est pour tous les Français, pour tous les Sénégalais de France, vous avez la meilleure équipe, j'espère qu'on se croise en finale. J'espère qu'on ira en finale ensemble, les frères. Vous êtes nos frères. كرة جول وحطها بالجول إسلام جول لإسلام جول للجزائر عند الدقيقة 34 يا سلام الهدف 28 يا سلام عليك يا آدم تمريرة ولا أروع في اتجاه إسلام حطها بالجول ترجع لآدم كرة خطيرة Adam l'Islam, l'Islam l'Adam, l'Islam l'Adam.
les Algériens qui vont donner coup d'envoi. Les Algériens ont fait le coup. Avec un nouveau centre. Oh la tentative, Belaïli. Un relais, un appui, Belaïli en passe. Et va et couvre Youssef Belaïli. Passe, et va et marque. C'est ça Julien, on a dit que la pression s'intensifiait du côté algérien. Camara, on a dit Camara, c'est peut-être la meilleure occasion pour le Sili National dans cette partie. Le contrôle. Et oui aussi pour la frappe. Oui et oui. De contrôler, de regarder et d'affiner un joueur de cette qualité-là. On ne peut pas le faire. Atal en première intention. Et Ademouna, c'est là. Et maintenant, 3 oh, pour les Algériens. C'est largement, quasiment acquis désormais. Reste à... Riyad Mahrez, c'est détourné et le but contre son camp. Trop de liquide devant.
s'est retourné. Et Thébo pour frapper. Thébo, on sait qu'il a une frappe redoutable, mais là c'était parti très vite. Pour le gardien algérien, attaquant nigérian, Ighalo face à Mboli. Et sa réalisation, le pénalty transformé par l'attaquant du Nigeria. Le même. Avec une super remise d'Ighalo. Iwobi pour tenter de la toucher. Ahmed Moussa, il s'est retourné. Onyekuru pour Benacer, le pied gauche. Ismaël Benacer qui tente. Oh, chercher la finale. Quelle frappe, Benacer est son pied gauche. Il avait armé un peu plus, il a gagné 10 mètres, ce qui lui permet de... Tous les Algériens, ce n'est pas suffisant. C'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper. Le gaucher sans doute. Riyad Mahrez, c'est fort. Oh, en finale, énorme ici. Les rejoignent les Seychelles dans ce stade interne. La folie ou la prolongation. Il va falloir remettre là, mais c'est quasiment terrien. Avec des retours chéri, c'est vite la prolongation. Ah, vous êtes français d'origine algérienne, mais ça change pas grand chose. Le cœur bat pour les Fennec. France pendant la Coupe du Monde, mais là on est super fiers. On est super fiers de la performance que nous ont donné nos joueurs. Le dernier but de Riyad Mahrez à la dernière minute, c'est une joie, une libération pour nous. Et je crois qu'il y a un petit slogan, non? 1-2-3. 1-2-3, vive l'Algérie! Vive l'Algérie! On y fort là! On a gagné! C'est un moment important et il l'annule. Alors Maignan, la sortie de Mboli, Maignan pour une... Sadio Mané. En retrait, Sabali qui tente, Sabali super. Deuxième chance. Et là il y a du monde dans la surface. Boum, la reprise d'Ismaïl Assar à couper du ballon. Salif Sané pour tenter. Mais ils sont des millions à gagner ce soir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour eux, ils l'attendaient ce sacre. L'équipe de cette année-là. Alors c'est une nuit d'ambiance algéroise, algérienne, c'est une nuit d'ambiance générale. Les gens sont très contents, il n'y a plus de doute, plus d'appréhension, plus d'hésitation. Finalement, grâce à eux, ils vont finalement nous apporter la Coupe d'Afrique.
esprit qu'en Algérie. Alors voilà ce qu'on peut dire. On va donner peut-être la parole aux supporters qui se trouvent à côté de moi. On commence par les femmes. Honneur aux dames, bonsoir. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre état d'esprit actuel? La réaction à chaud. Bon, je suis espagnole, j'habite ici à Alger et pour moi c'est incroyable que nous sommes ici et que nous avons gagné la Coupe d'Afrique. So, congratulations! Oui. Alors voilà! Nous allons peut-être donner la parole à celui qu'on qualifie de Rougie, plus communément appelé Rouka ici, qui tout à l'heure a envie de parler. Oui, mais dites quelque chose. Alors, voilà, finalement, c'est ce qu'on. Voilà, c'est une ambiance qui a vraiment ressenti les gens qui ont jusqu'au petit matin sortir, défiler, manifester, célébrer cette victoire en attendant d'autres victoires parce qu'ils n'arrêtent pas de le préciser que d'autres victoires vont venir. Vive à l'Algérie comme vous l'entendez aujourd'hui. Pour certains, les retardataires qui n'ont pas pu assister à ce moment, ils attendent de rentrer à la maison et bien pour voir le moment où le président par intérim Abdelkader Ben Salah a remis la Coupe d'Afrique aux Algériens. Ça, on l'a pas encore vu ici, mais probablement ils vont se rattraper une fois à la maison. Pour le moment, ce qu'on retient, c'est une joie et une exaltation. نحب ليل تلماتش الناس في الغناية تتحضر نحب نشوف اللعابين داخلين بالخبر شحال نحب نسمع قسامان بيها نتأثر نحب نشوف علامي الفوق في البرازيل حاضر نحب نغني نحب نسيبورتي نحب بلادي نحب نوالي نحب نديفيلي نحب الانجيري نحب نغني نحب نسيبورتي نحب بلادي نحب نوالي نحب نديفيلي نحب الانجيري نحب المصغر كي شاف فيه